Ce résumé vous est proposé par Heineken et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League. Benzema est dans le rectangle, poteau, Asensio. Il se trouve bien hein, depuis 4 minutes. Les Madrilènes, c'est pas la première fois qu'on les sent bien inspirés dans les combinaisons ce soir. Ça, c'est un bon ballon. Benzema l'a frappé, Trubin. Ça venait sur lui. De garde, Asensio. Mendy, il y a de la présence là dans le rectangle. Asensio, Odegaard dans les petits espaces, ils sont bons. Asensio et Trubin. Eh bien, c'est lui le plus dangereux finalement. Deuxième occasion après le poteau en début de match. C'est le point de Trubin qui vient écarter cette tentative de l'Espagnol. Mendy, presque la spéciale Mendy qu'il est en train de nous faire avec Odegaard. On circule, c'est pas mal. Benzema, fin de centre. Benzema maintenant, il est tout bon ce centre. Nacho, terrible possibilité pour le Real. Coutinho. Stepanenko avec Tyson, ça passe pour Tyson. Est-ce qu'il peut aller jusqu'au bout? L'accélération, Tyson et Courtois. La plus belle occasion pour le Shakhtar. Deuxième mi-temps bien plus intéressante que la première. Oh, l'intervention décisive de Thibaut Courtois. Marlos, ça c'est bien joué, il y a un appel de Tété. On écarte côté gauche, il n'y a encore rien de mal fait pour l'instant. Côté Shakhtar. Avec cette passe qui n'arrive pas. Oh, attention avec le but! Le but, il a été plus prompt d'Entinho. Ah, on s'est regardé, ils ont oublié le ballon du côté du Real Madrid. Incroyable scénario. Le Real est mené. D'Entinho qui ne devait pas jouer cette rencontre. Hein, on vous le rappelle tout de même, si Junior Moraes ne se blesse pas. Il y a ce ballon ici, touché par Mendy. Varane laisse filer et derrière, Vázquez est trop loin. Il y a un manque de communication, un manque d'anticipation peut-être aussi. Et un brin de réussite, il faut le reconnaître. La finition est là, cette fois Courtois ne peut rien faire. Le Shakhtar mène 1-0. Et là, la mission du Real devient un petit peu plus difficile encore. Tenter de trouver Mendy, mais Tété, franchement. Là, il en fait un petit peu trop, mais il est quand même excellent ce soir avec la frappe d'Asensio qui a été déviée. Elle passe tout près. Il y a le toit du but de Trubin qui a un petit peu vibré. Vinicius Junior qui passe l'extérieur et c'est repoussé. C'est repoussé une nouvelle fois par Kovalenko. Eh oui. Quand c'est pas Stepanenko, c'est Kovalenko. Et là, ça passe avec Maicon. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Et donc, danger avec Manor Solomon qui pique un sprint. La première accélération de l'Israélien. La frappe et le but. C'est 2-0. Le Shakhtar fait le break. Première occasion pour le super sub du Shakhtar Donetsk. Manor Solomon. Et ouais, Thibaut Courtois, c'est difficile. C'est très, très difficile pour Thibaut Courtois qui
Il a finalement encaissé plus de buts que d'arrêts effectués dans ce match. Solomon qui vient inscrire son 4e but en Ligue des Champions pour son 9e match. L'international israélien, mais une nouvelle fois, on l'a dit, on l'a senti, quand il y a des espaces comme ça, danger pour le Real Madrid. Ce résumé vous a été proposé par Heineken et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League.